C'est au Palais de la Source que la présidente du département a souhaité recevoir 111 agents partis récemment à la retraite afin de les remercier pour le travail accompli durant ces nombreuses années au sein de la collectivité. Cette génération qui part en retraite, c'est une génération qui a porté la collectivité sur beaucoup, beaucoup de projets. Vous avez commencé avant moi, vous partez un petit peu avant moi, mais je voulais vous dire merci et bravo. C'est grâce à vous que j'ai eu l'envie de rester moi-même aussi longtemps au département. Un seul mot, merci à des agents qui, sur 40 ans de fonction publique territoriale, ont vu et ont porté des politiques publiques sur trois générations. J'ai des agents qui ont commencé et qui ont traité des dossiers des grands-mères à l'époque, des enfants après et des petits-enfants maintenant. Des agents qui ont consacré leur carrière au service de la population réunionnaise et à l'écoute de ses besoins. J'étais d'abord infirmière hospitalière et donc j'ai eu ma mutation au 1er avril 2004 à la PMI de Plateau-Caillou avec le docteur Coury, avec qui j'ai travaillé jusqu'en 2012, que j'ai bien travaillé. Et je suis arrivée à la PMI de la Possession en février 2012 avec le docteur Blanquevin. Je suis très contente d'aller à la retraite, même si le travail des fois me manque un peu. C'est normal puisque j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Moi, j'ai été recrutée sous la mandature de Monsieur Auguste Legros. J'ai été recrutée d'abord à l'équipement. J'ai fait 3 ans à l'équipement. Ensuite, je suis partie au PNARM. Ensuite, je suis allée à l'ASA. Ensuite, je suis allée à la logistique. Et j'ai terminé ma carrière avec Madame Raïm Kam, qui est partie un petit peu avant, dans une PMI. J'ai donné longtemps de ma vie au département. Je suis satisfaite. Loin des regards, ces personnes qui ont consacré leur vie aux autres vont désormais prendre un peu de temps pour eux.